Bonjour tout le monde, ici moi Dakman pour une autre vidéo de Kirby. Puis pas fait beaucoup de modifications cette fois-ci en termes de vidéo, j'ai un petit peu augmenté la qualité. Puis on va voir si ça fait une différence ou sûrement pas parce que c'était pas une grosse modification que j'ai faite là. Mais bon, j'ai pogné mon petit cube manquant et mon golden sticker manquant, donc allez, assez niaisé, passons au prochain niveau. Un niveau de crème glacée. Oh, crème glacée qui tombe dessus puis qui fait des marques dans ton écran, c'est nice ça. Ice. Hein, le plancher il glisse par contre. On a de la physique de glace. Le pire ennemi de tous les joueurs de platformer. Oh! On a aussi de la lave ici qu'on peut péter avec. Qu'on peut geler avec notre glace, donc c'est bon ça. Whoop! J'aime tellement ça faire avec le up, avec le ice power, pogner les ennemis. Whoop, même s'ils sont super gros. Bang! Ok, il va falloir faire attention à toute cette crème glacée là. My god. Whoop! Ah, petit objet de même, on s'en fout ça c'est. Oh, en tout cas. En quoi c'est le niveau spécial Casavant là? Y a-t-il quelque chose ici? C'est-tu un trou ça? Oh non! Power! Oh non! Oh, on va sûrement pouvoir le récupérer. Ah, t'es! Ah, on a un Dr. Power ici. Oui! Qu'est-ce que t'as à pitcher des boulettes, toi? Whoop! Je pense que. Peux-tu? Non, je peux pas absorber une fois que je l'ai gelé. En fait, je vais essayer le Dr. Power. Putain, toi. Ça, il y avait une affaire que je l'ai essayé avec, mais j'ai oublié c'était quoi. En tout cas, c'est un nouveau Power aussi, ben en profiter un petit peu. Oui! J'avoue que le dash attack est assez bon aussi. Rapide. Eh. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh! Un Invincible Lollipop, genre le deuxième qu'on voit dans le jeu. Dang. Oh, on démolit tout! Oui! Oui! Ah, il est tellement brutal, Kirby. Oui! Oh! Oui! Notre premier cube. Ah non, c'est fini. Avec la petite seringue. Ah oui, c'est vrai, il y a ça si tu peux faire. Tiens, on va l'incinérer. Bang! Nice. Oups. Oh, tu peux faire une. Ah oui, une pile de piles. Une pile de piles. Tiens. Ok, j'ai eu assez de docteur, je vais. Ah, bon, là j'ai repris le docteur, ok. Bon, on va changer le prochain bon power qu'on voit. Oh! J'en vois un ici. Ah, puis on a besoin en plus, donc putain. C'est pas juste parce que je suis biaisé en faveur du ice, c'est parce que j'en ai de besoin. Putain! Ok, donc ici j'ai une batterie à les prendre, donc faut pas que j'en pète trop, sinon je vais comme briser mon chemin. En fait, non. Faut que j'en gèle un petit peu, mais pas trop. Oh shit! Whoop! Whoop! Oh my god, j'suis tellement pro. Ah ouais, donne-moi ça, ce cube-là. Oh! Ok, ça a été assez simple ça. En fait, go. Wouh! Oh mon dieu, j'ai même pas vu c'était mieux. Oh! Il y a un petit melon d'eau, je veux ça. Ah, yes! Oui. Oh, robot, ok. Ice Robot, lui on l'a jamais eu, hein.
Non, lui, on l'a jamais eu. Oh, ok, il est très similaire à lui avec le... de feu. Y'a-t-il quelque chose d'autre que tu peux faire avec ça? Ah, c'est comme un flamethrower à poster. Ice thrower. Speed skater, dash plus B. Ok. Puis B, répéter, ça te fait un blizzard lance. Ok. Oh! Ok! Intéressant. Puis l'autre c'était... Oh! Ok! Ah, j'aime moins le robot Ice. Qu'est-ce que c'est ça? Une tête? Ah, c'est comme dans Super Mario 64. Si tu devais... Ah! Ok, ça c'était nice, ça c'était nice. Tu devais recréer la crème glacée. Un one-up, c'est tout? Oh my god, t'aurais pu me donner au moins un golden sticker. Ah, c'est comme dans Super Mario 64. Ok, il va en avoir d'autres. Oh, ici c'est... Oh shit! Ok, ok, comme du feu. Donc on refait la tête comme ça. Ok, bon, il est resté en vie, donc je pense que c'est ça qu'il faut. Puis, on va te rejouer ça. T'es, donne-moi quelque chose de bon cette fois-là. Oh my god. One up! Je meurs jamais. Pourquoi j'aurais besoin d'un one up? Ah. Ok, qu'est-ce que ça va être ça ici? Ok, de l'eau que je peux geler pour après ça monter dessus, je suppose. J'ai l'impression que ça va dégeler, donc... Oh non non non! Non, fuck. Ok, finalement on dirait pas qu'il dégèle. Ah ok, ouais, ça je pense que si tu le gèles pas avant, il va comme avoir le temps de se briser puis tu vas le perdre, quelque chose genre... Oh shit! Non! 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 Ok, correct, correct. Hmm. Oh, what? J'ai perdu mon power? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ok, je pense que quand j'étais dans le feu, ben... Putain! Ah non, j'ai sûrement dû pogner un Gordo. On dirait pas qu'on peut geler le feu. On peut geler cette affaire-là, par contre. Ok, ouais, notre robot, il est immunisé contre le feu. Ok. Le tout était mieux de me donner quelque chose de plus qu'un one-up. Ok, la fois que tu sautes ou pas, ça le blesse quand même. C'est juste être au-dessus de cette affaire-là. Comme même sa plateforme, ça le dégelait. Putain. Ah oui. Ah, yes. That's more like it. Ah, j'ai encore manqué le golden sticker, par contre. Ah, pas grave, pas grave. Goal game. Whoop! Nah, beaucoup trop tôt. Ah, puis je regarde ça, ça c'est pas le dernier niveau. Je pensais que c'était le dernier niveau avant le boss, mais finalement il en reste un autre. Donc, ah, Guardian Kirby, donc Kirby qui bloque, wow. Kirby Superstar Ultra. Red Parade Kirby Canvasker. Je me rappelle pas du tout de cet ennemi-là. Je pense qu'il y avait une couple d'ennemis bizarres dans Canvasker, donc... On peut pas se rappeler de tout ça, hein? Bon, au moins, on a pogné toutes les cubes. C'est ça qui compte pour l'instant, parce que c'est ce qui va nous permettre de débloquer l'Evil EX. Oh, on commence direct dans l'eau, ok. Mm-hmm. Et il y a le truc. Okay, ils veulent que j'aille par en bas, donc pour ça, je vais aller hop, par en haut. Oh, pas mon ice power! Il y a sûrement quelque chose ici. Oh, un plus petit poisson, je suppose. Ok, il n'y avait rien. Ah, ça valait la peine, ça. Juste éviter un ennemi un peu plus gros. Tain, toi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh my god! C'était comme juste un petit trou pour aller se protéger contre le genre de requin. Ouh.
Ben, ça fait peur, ça. Ok, peut-être pas vraiment, mais... quand même des gros requins. Oh shit, oh! Oh, il y a une porte ici, assez belle cachée. Ok, il nous faut une... oh my god. Faut-tu que je me dépêche, ouais. Putain, viens t'en, toi. Une petite batterie ici, puis ça va me donner un petit cube. C'est bon, il nous faut toutes les cubes si on veut débloquer le niveau EX dans cette vidéo aussi. Je vais aller par en haut, je suis presque sûr qu'ils ont caché de quoi. Oh! Une petite étoile. Ça sert pas à grand chose, ça me donne des points, pis c'est... quand t'as de sang, ça te fait un one-up. Oh, pas un boss. Mirror. Ok, c'est pas TikTok, j'ai pas ici celui-là. C'est quoi déjà qui faisait... ah oui, c'était ça. Ça, genre, la tour comme ça. Hein. Ça, il faut genre un pouvoir de marteau pour... pour ça ici. Ok, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ta gueule. Y a-tu un marteau ici? Je pense que ça, le boss a été un marteau. Bunkers. Il y a comme un protège mâche patate. Ok, normalement, Bunkers, il n'y a pas ça. Ben, ouais, Bunkers, c'est un ennemi classique dans Kirby. Un mini-boss qu'on voit souvent. Ah, tabarnade. Tintoué. En fait, ça n'a rien fait, cette affaire-là. Tintoué. Là, on va délicieusement prendre le marteau, puis aller péter l'autre shit là-bas. C'est la première fois que je prends le marteau. Ah, ça se peut quoi? Oh, one up. Oh! Plus une porte, ok. Plus un trésor. Oh, le golden sticker, nice. Ok, on est dans un petit passage secret ici. Avec d'autres requins. Puis d'autres poissons. Oh oh! Ok, il y a un autre passage ici. Un autre emplacement à frapper avec le marteau. Ok, ça lui fait juste débloquer un genre de raccourci. C'est quoi cette affaire-là? Là? Ok, ça nous débloque le chemin vers un cube. Ok, mais on peut pas s'y rendre tout de suite. Par contre, ah, sticker. Oui, là on peut se rendre au cube. Nice. Ok, puis là c'est où il faut que j'aille. Oh shit. Ah! Ok, c'est pareil, il faut que j'aille. Tintoué, tintoué. Oh shit, une batterie qu'il faut que j'aille pogner rapidement. Vite, vite. Sacré vodka. Sac ton cat, oui! Vite! Je pense que je devrais avoir le temps. Ouais. Définitivement. Hein? Et le dernier cube! Bon, ok, on a tout eu dans ce niveau-là. C'est bon, c'est bon. Hein? Mais est-ce qu'on va réussir le gold game par contre? Ça, c'est la question. Ah ouais, mon tac. Non, ça, je pense que c'est un 2. Ouais. Ah, c'était un petit peu plus proche que les autres, je suppose. Oh, yes, le Kirby Doodle. Tellement beau. Grouch, qui était un méchant dans Squeak Squad. Mace Knight. Bon. Là, avant de faire le boss, on va faire le niveau EX. Bon, après ça, on va faire le boss, inquiétez-vous pas. Ben oui, ben oui. Vas-tu vraiment me dire ça à chaque fois?
Ah ouais, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit arc-en-ciel, donc c'est cute, c'est cute. Ah ouais, je sais. Ah ouais, let's go. 7EX. Ok. Je pense qu'il faut que je prenne le canon ici. Ah, ok, je vise avec. En tiltant à 3DS, nice. Ah, c'est la musique. The Great Cave Offensive dans Kirby Superstar quand t'étais dans les niveaux avec les wagons pis tout. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Whoop! Donc c'est toutes des. Ah non! Ok, c'est beaucoup de tilt control ici. C'est correct. Hey, qu'est-ce que tu fais là, dans mon sous-marin? Hey, y a-tu quelque chose là-bas? Peux-tu le fesser de même? Ah non, c'est lui qui me fait mal, ok. Y'avait rien, ok. Je pense qu'il y avait de quoi. Désolé, désolé. Va-t'en, toi. Oh, il est pas mort encore. Tain, toi. Ok, let's go. Wouh! Oh! Wouh! Oui! Mais ça pas l'air comme super utile d'utiliser ces affaires-là, considérant que tu voles pis tout. Oh shit. Ah! Ok, donc ouais, là, finalement, ça va être utile parce que sinon, je peux pas transporter la petite batterie ici. Je pense que c'est une pile. Oui! Allez, va-t'en, Gordo. Puis donne-moi un Waddle Dee. Je sais pas si c'est un bon trade. Ah, il y a aussi une porte avec ça. Tiens, je vais prendre le petit ESP Power. Oh boy! Qu'est-ce que je regarde là, moi? Donc, il faut que je. Ok. Il faut que j'active celui du bas pour ouvrir, faire tomber le coffre. Puis ça va-tu marcher avec ça? Ok, ouais. Oui! Ok, c'est cute, un petit puzzle de même. Ah, chou, chou, chou! Je suis là! Il n'a tellement pas venu. Attends, il y a des étoiles en bas, c'est quoi ça? Oh! Golden Sticker! Oh yes! Ah! Mon dieu, qu'il est arrivé vite, lui! Est-ce que vous avez vu ça? Non, non, je pensais que moi, j'étais capable de me téléporter, mais finalement. Ah! Ok. La musique est comme bien dramatique ici. Oh, il va me falloir du ice ou à moins ça ici. Ok, ouais. Petit jet d'eau. Ah, ouais, ça c'est une vieille musique ça aussi, mais je me rappelle pas d'ici que ça vient. Ok, c'était juste pour enlever le canon ici. Y'a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire là? Faut que je trouve ça là-bas. Oui! Quelque chose d'autre? Ok, là. Ah, il y a ça, un one-up. Oui, préféré. Tain-toi! Tain-toi! Oh, yes! Ouais, par contre, comme je disais, je ne traite pas énormément sur un robot glace. Vraiment? Je préfère un ice normal, mais bon, il n'y a rien qui bat ice normal. Bon, ok. Là, on va falloir aller geler ces jets d'eau-là. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc là, faut que je prenne ça ici, je suppose. Que j'aille geler tous ceux-là. Et là, après ça, je vais porter ça quelque part là-bas. Ça va faire un circuit électrique. Ah, ok, faut que je le laisse ici. Ça va pas assez proche. Ok. Là, il faut que j'aille me trouver un power électrique pour aller avec ça. Pas ici. Un coup
puis on sait que... Ah! Juste à côté. Nice. En fait, je peux juste le faire ici, puis ça va ouvrir. Et j'aime bien les robots électriques, là. J'aime l'affaire. Tu charges un gros laser comme ça. Tu veux pas le charger plus que ça? Ah oui, faut que t'appuies ses côtés. Ok. Tiens. On a notre cube. Dévisse-moi ça. Ah, on doit déjà s'en départir. Dommage. Plus de crème glacée. Oups. J'aime bien les petites marques que ça fait dans l'écran. C'est une belle petite touche. Ah, tiens, je pense que s'il donne un jet ici, c'est parce qu'il faut que tu l'utilises. Non! J'ai pogné mon power. Téléporte. En fait, je suppose que le power teleport n'est pas mauvais non plus, juste parce que tu peux rester comme invisible. Ouais. Ok. Un petit cube d'eau qui traîne de même. Rien de trop spécial. Ah. Plus de requins. C'est quelque chose ici. Ok, bon, c'est juste un petit trou pour me protéger des requins. Donc, je suppose que ça va être le thème. Il va toujours falloir que j'aille me cacher avant que les petits requins s'en viennent. En même temps, ils sont pas super rapides, donc c'est pas vraiment un problème. Elle dort bien intense, cette musique ici. Ah! Putain, toi. Ah, pas besoin de ça. Oh shit, peut-être que j'aurais besoin. Okay, non. Whip. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici là? Un sticker, ok. Oh. Ok, il y en a qui vont des fois au fond, puis des fois plus proche. C'est quoi comme ça, il est proche, ok. C'est un peu plus dur quand tu mets pas la 3D. Je pourrais mettre la 3D, vous, ça changerait pas grand-chose, ça ferait juste bouger l'écran un petit peu, comme... Whoop. Ah, ça fait pas grand-chose, ben... Bon! Il manque encore un petit cube. Je suis pas trop inquiet, je pense pas l'avoir manqué. Ok, il faut monter vers le haut. Je vais faire le tour ici. Ok, non, ok. Oh, un wheel! Nice. On va prendre le wheel quand possible. Oh, un boss! Oh, ok, ouais, je vois. King Goo 2.0. Whoop, whoop! Whoop, whoop! Whoop, whoop! Quand vous tournez avec la roue, vous êtes plus invincible. Mais tant que vous roulez droit, vous êtes correct. Ouais, c'est ça, sac ton camp. Ah, on va prendre le Beam Power. Je veux dire, s'il donne, ça doit être pour une bonne raison. Y'a-t-il quelque chose ici? Pourquoi y'a comme. Ah, ok, là. Ça, c'est bizarre, y'a juste une plateforme comme ça que tu peux sauter par en dessus. Youp. Ok, je pense que ça ici, ça va être le cube. Hop. Ok, bon, il était pas trop dur à trouver celui-là. Bon, on a tout pogné les cubes de ce monde-là, parfait. Mais est-ce qu'on va pogner le goal game? Oh, 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 je dirais que oui. Ah ouais, grimpe-moi ça, dang. Donne-moi mon petit sticker. Yes! Un charge, notre troisième. Mon dieu, j'en ai plein de ça. Klesia, dernier boss de Kirby Rainbow Curse. Deluxe. Mais quand même, c'est chill aussi. Et Big Kanji. Donc, ouais. Ça veut dire Big. Oh, puis numéro 8, parfait. On doit être proche d'avoir tous les numéros.
Toujours curieux d'avoir ça avec quoi le prochain boss. Oh, aquatique. J'espère que c'est pas un boss qu'on va prendre quand il est dans l'eau. Eux, je les aime jamais. Ils en ont fait une couple dans le jeu de Kirby. Ok, Circus Poison Fighter. J'aime pas beaucoup Circus Poison, pas beaucoup, mais je pense que je l'ai pas pris, donc on va l'essayer. Tiens, ah ouais, let's go. Mais qu'est-ce? Hey, oh, du texte? Oh, une petite fille. Ah, elle, c'est la fille qui était sur le thumbnail. Quand je suis allé chercher un thumbnail, tu sais, pour mes vidéos, il y avait cette petite fille là dessus avec Meta Knight et Kirby, puis j'étais comme, qui c'est ça, genre? Mais ah, on la rencontre ici. Ok, elle s'attendait pas à avoir un habitant de cette planète-là ici. Ok, un natif. Oh, ben, désolé, ben, je vais m'introduire. Ben, ouais, fais donc ça. Mon nom, c'est Suzy. C'est donc ben comme normal comme nom, Suzy. Ok, estante du Altman Works Company. Ok, je suppose que ça, c'est les méchants. Moi aussi, je suis content de te voir. Oh, regarde cette planète-là. L'air propre, l'eau fraîche, puis il y a plein de ressources naturelles. Ah oui, c'est ça, et tu viens nous exploiter, ben oui. Mais tous ceux qui vivent ce monde ici, ils prennent toute cette richesse-là pour donner. Regrettable. Oh! Mais notre Mechanized Occupation Project, il va s'en charger, puis ben, on a été identifiés comme des obstacles. Oh non! Ok, ouais, c'était qu'on a le sens. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Hein, je suis désolé. Tu dois être détruit. Non! Ok, je m'attendais pas à ce que ça soit une méchante quand je l'avais vue sur le thumbnail pis tout. Je pensais que ça allait comme être une sorte de petite fille qui t'aide, garde souvent ça dans les jeux de Kirby. Mais apparemment c'est méchante. Je pense qu'elle va t'aider après ça, par contre. Sinon, il la mettrait pas sur la boîte, puis il donnerait pas des paroles de même, du texte. Dans un jeu, c'est que personne n'a parlé encore, même dans l'introduction. C'est quoi ça? Une toupie? Ah ouais. Whoop. Oh fuck. Oh! What? Ok, elle est morte à cause de ma traînée de poison. Ok. J'ai un coup d'œil, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, ok. Faut-tu que j'attaque ces affaires-là, moi? On dirait quoi? Ouais. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste genre tourner un petit peu, puis rien d'autre. Ok, nice. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Wouhi! Wouhi! Finalement, le poison, il va assez bien ici. Ah, ouais, on peut faire ça aussi. Juste l'asperger. Ouais, continue à. Avec ses toupies. Oh fuck! Ok, je l'ai eu. Ah non, j'ai perdu mon power! Vite! Faut que je récupère mon power! Il est parti! Ah, yes, ok. Ok, qu'est-ce que c'est que. Oh! Oh, ok, je m'attendais pas à ça. Et donc, elle passe d'un bord puis elle sort de l'autre. Oui! Putain, toi! Oh shit. Ok, on l'a presque. Ah, come on. Un petit coup pied est morte là. Ah ouais, Kirby. Ah. What the fuck? Ok. Elle va dans des petites chutes électriques, puis je suis pas trop là. Elle s'amuse, elle a du fun, elle a du fun. Bon, ok, là je peux la tuer. Calide. Viens ici, toi. Tiens, bon. Puis elle meurt. Eh non, elle va joindre notre équipe ou quelque chose genre. Ou sinon, on va la revoir plus tard. Puis elle va être là. Oh, finalement, tu avais raison. Puis genre, j'avais tort. Ah, ok, elle s'en va. Oh, elle a un rire magnifique. En plus, ok, je suis un petit peu moins certain qu'elle va vouloir joindre notre équipe finalement. C'est quoi, c'est-tu vraiment la méchante principale du jeu? Disons qu'elle me donne pas vraiment cette impression-là avec son design, je sais pas, un petit peu trop cute pour ça, là.
Quoi que ça serait un bon. Ça serait une bonne surprise, je dois avouer. C'était vraiment la méchante principale. Ah yes, Gigabyte Ground, le désert. On est rendu à un G, prog? Ok, prog. Donc ça va être genre programme. Ouais, sûrement. Ça va sûrement être ça le mot que ça va appeler. Ah, on a détruit. Ok, bon, parfait. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour cette vidéo-là. C'était le fun. On a rencontré un personnage qui parle. Alors, comme je dis, je pense que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui parle dans ce jeu-là en ce moment. Donc, nice. Bon, ben, hey, c'était moi, Tacman. Puis je vous dis à la prochaine.